Une baisse des températures synonyme pour certains de chiffres d'affaires en pleine période de solde. Les commerçants espèrent bien écouler leurs vêtements d'hiver et les clients semblent déjà au rendez-vous comme l'ont constaté Benoît Ballet et Juliette Pietraszewski pour RMC. Liliane a décidé de contrer le froid avec de nouveaux achats. Il faut profiter des soldes, hein. Voilà, il faut se faire plaisir. J'ai vu l'annonce de froid qu'ils ont fait, il serait peut-être urgent de trouver une petite doudoune ou alors un pull très chaud et très doux. Et elle n'est pas la seule à chercher une doudoune pour se protéger des flocons. Ferial est justement en train d'en essayer une. Elle est chaude, elle est légère. Et elle est pratique avec la capuche. Je crois que je vais pouvoir repartir avec. À l'extérieur, le froid arrive et dans le magasin, les articles s'en vont. Carole, la responsable, constate que le stock d'accessoires diminue à vue d'œil. Voilà, c'est tout ce qui nous reste. Entre les écharpes et les bonnets, on en a encore un peu, mais pas tant que ça. Une baisse des températures, bienvenue pour cette commerçante. Grâce à cette vague de froid, effectivement, on va pouvoir écouler, on l'espère bien, toutes nos pièces à manches et nos mailles. En décembre dernier, selon la fédération L'Alliance du Commerce, les enseignes de l'habillement ont enregistré une baisse de 4,3% de leur chiffre d'affaires.